ça peut aller. Mais bon, voilà. Quoi, un peu, pardon. Voilà. Quoi, mettre un peu la tête. Dépêchez-moi sur le ballon là. Eh hey, Félix, parce qu'on va faire le ballon là. Là dans l'espace. Là je bouge, là je bouge aussi. Voilà. Là je bouge. On allait au bas. On part, on se déplace. On part où? On pose pas mal doucement. Que lui travaille un peu. Voilà, on attaque pas, hein. Attends, on se frappe plus toi. Il y a la précision, elle est passée. Hein. On concentre plus. Voilà, après ça, c'est cool. Je ne lâche pas, je ne lâche pas, c'est très important. Voilà. Ok, t'appelles. Ah, là-bas.
portable. Après,
Bien joué.
Merci, allez, on joue. Ça va, c'est la caméra, une musique quoi. Ça au sérieux pour moi. Et, si, je suis encore très jeune. Je suis là à apprendre toujours. J'ai un objectif à atteindre. Je vais devenir un grand demain. Je suis prêt à Dieu. Donc, c'est pas facile. Surtout en Afrique, c'est pas facile. Pour réussir comme ça sans soutien, c'est pas facile. J'ai besoin de soutien pour m'aider, pour pouvoir progresser. À ce moment, mon papa m'a dit ça un jour. Il dit quand il quitte dans l'entraînement, mes amis parlent toujours de moi à la maison. Parce que vraiment, ton fils a joué bien le foot. Un jour, il m'a appelé comme ça. Il dit vraiment, il veut qu'il soit un footballeur. Donc, quand il m'a dit ça, je crois qu'un an après, lui est décédé. Donc, quand il pense à tout ça, ça me donne le courage. Il travaille toujours pour faire plaisir à lui. Pourquoi aujourd'hui je suis dedans, malgré c'est vrai que c'est difficile, mais je suis dedans. Je suis dedans. J'ai vraiment besoin de la soutien pour pouvoir aller de l'avant. Tu comme ton idole, c'est que. Ça va bien entendu. Un grand demain. Quand je regarde Eden Hazard, bon, vraiment ça me fait beaucoup de plaisir. Et quand il regarde tout ça, vraiment, j'ai envie, ça me donne toujours. Il pourra de travailler plus. Voilà, il veut devenir un jour comme lui, comme ça. Je suis prêt à Dieu. Il voulait faire passer un message à mon grand frère aussi, lui qui m'a dit faire le film. Vraiment, j'ai besoin de ton soutien, grand frère. Je lui dis, toi, ton papa vit, moi aussi, mon papa vit. J'étais des garçons seulement. Il est malaisé. Je lui dis, ils ne sont pas là. Vraiment, je lui dis, moi, je compte beaucoup sur Dieu. Je compte beaucoup sur toi, ton petit frère Ali. Vraiment, j'ai besoin de votre soutien pour m'aider. Vraiment, il veut que tu prennes ça. Tu prends ça le sourire. C'est que quand tu regardes le film, c'est vrai, tout n'est pas parfait, mais je compte sur mon courage, je compte beaucoup sur mon Dieu. C'est vraiment, si tu m'as aidé, vraiment, je suis prêt à Dieu, tu ne vas jamais regretter. Je suis prêt à Dieu. Vous avez remarqué beaucoup dans le jeu, on se comprend mieux. C'est un joueur qui est libère et il a un truc en lui qui me plaît beaucoup, c'est sa combativité. C'est un joueur qui est beaucoup combatif. Il joue beaucoup, il est beaucoup actif sur le terrain. Bon, je peux même dire que c'est un joueur même vraiment. Le seul défaut que je n'aime pas chez lui, c'est seulement qu'il n'aime pas perdre. C'est tout. Il n'aime pas perdre.
C'est un joueur vraiment courageux, pratiquement sur le terrain, il a un vrai talent. Moi j'aime ça. Quand nous jouons ensemble, vraiment je me comprends mieux avec lui. Quoi. Le groupe l'aime beaucoup parce que c'est un joueur vraiment courageux. Quelle que soit la situation dans le match, même si on est mené, même si en cas de autre chose, quoi. Mais c'est bien sûr, il est là avec nous, il nous encourage, on joue, et puis, on est dans le match avec lui. C'est un joueur talentueux, c'est un joueur courageux. Et c'est juste. C'est un chose que je voulais souligner à propos de Kamogo. Un joueur exemplaire. Merci. Tiens, collègue de Karamoko, vraiment, à vrai dit, ce que j'aimerais dire sur Karamoko, vraiment, Karamoko, c'est un joueur qui est beaucoup courageux et puis beaucoup assidu aux entraînements. Quoi. Voilà, bon, il y a eu le temps de jouer un peu avec lui, il y a vu sa qualité. Vraiment, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Mais souvent, il a des erreurs, il a des défauts que moi, je n'admets pas ça. Quoi. Voilà, son plus grand défaut est qu'il n'aime pas perdre. Or, dans le sport, il faut savoir perdre et puis il faut savoir gagner aussi. Donc, il a tendance à déconner à ce moment-là. Sinon, c'est un joueur très respectueux. Ensuite, il respecte son coach, il respecte son entraînement et puis ça passe quoi. Voilà, donc c'est un joueur qui vraiment j'admire beaucoup. S'il continue à ses sens, il pense qu'il aura du talent et puis il va aller de l'avant. Donc moi, c'est ce que j'ai remarqué en vrai. Okay, merci.